Alors, Steiner nomme le patron d'équipe le plus ennuyeux. Alors, il y a Horner en photo, donc j'imagine que c'est lui. Alors, Steiner a d'abord donné son avis sur McLaren. Andrea Stella est un type très humble. Toujours très bien. Il parle toujours très bien et ne jure pas. J'en suis sûr. Zach est toujours heureux d'être partout, n'importe où. Il est tout simplement heureux d'être là. Alors, le plus irritant, Horner ou Wolff? Je dirais Christian parce qu'il est arrivé avec trop de drames, vous savez. Il n'y a vraiment jamais eu de drame avec Toto. Nous gagnons parce que nous sommes les meilleurs, a déclaré Steiner dans sa meilleure imitation de l'Autrichien. Bah oui, le compatriote, du coup, Toto Wolff. Alors, bon, le titre parle d'ennuyeux, là il parle d'irritant. Bon, il n'a pas l'air de trop apprécier Christian Horner, hein, pour le coup. Mais moi, je pense que Steiner, un jour, peut-être qu'il retournera chez Red Bull. Hein. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Peut-être pas à court terme, mais dans 4-5 ans, je verrais bien, pourquoi pas retourner chez Red Bull. Dans une autre Red Bull, pas celle qu'on connaît actuellement. Il n'y aurait plus Marco, il n'y aurait plus Horner, peut-être, il n'y aurait plus Verstappen, surtout. Donc, je vois peut-être ça arriver. Pas sûr à 100%, mais c'est pas impossible, quoi. Ciao.